Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Pour commencer donc cette première vidéo, je voudrais une question qui est importante, auquel je voudrais répondre, c'est qu'est-ce que la notion d'aide en thérapie pour des personnes donc, qui ont été victimes de violences morales. La notion d'aide, c'est la possibilité à chacun et chacune d'entre vous de s'ouvrir sur un problème, sur une problématique peut-être qu'elles ont conservée à l'intérieur d'elles-mêmes. Il y a une prise de conscience, un jour dans l'existence, quelque chose ne va pas. On ouvre la porte d'un cabinet de thérapeute et on essaye d'arriver à trouver en fait l'origine de cette sensation de mal-être, en tout cas quelque chose qui n'est pas forcément constructif pour la personne, sinon elle ne serait pas venue en fait en thérapie. Alors la notion d'aide est extrêmement importante car elle ouvre un espace de dialogue. Un espace de dialogue où vous avez plusieurs courants analytiques, des courants lacaniens, des courants freudiens, des courants rogériens comme c'est mon cas puisque je suis sophrologue et thérapeute, donc je travaille à la fois avec le corps et avec la parole, toujours avec ces notions d'accueil exemptes de tout jugement et ce, quelle que soit la culture. Ce travail est extrêmement important parce qu'il va permettre de pouvoir rechercher côte à côte, dans une distance raisonnable en tout cas, eh bien, ce qui vous arrive, et vous allez donc pouvoir arriver à décider de vous-même si cette relation d'aide est positive ou si au contraire, elle ne vous apporte rien. La relation d'aide se bâtit avant toute chose sur la confiance. Elle est aussi nommée dans l'accueil. Est-ce que vous avez un accueil agréable? Pas du tout. Voilà, donc c'est à vous de voir tout ça. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.